Coucou les béliers, donc nous allons faire l'horoscope 2023, avril 2023 pour vous. Donc avec l'oracle Versailles débutant que tu peux trouver en téléchargement sur mon site en format JPEG et PDF pour apprendre à manipuler un petit peu les cartes et voir un peu ton avenir toi-même. Des fois c'est un petit peu amusant. Donc là j'ai préparé un premier paquet qui représente ton travail, le second paquet qui représente la maison, la vie quotidienne, ce qui se passe un peu tous les jours. Ce paquet-là représente les sentiments, l'amour. Et ici, nous avons donc la carte surprise. Donc, ce que te réserve l'univers et que tu ne sais pas. Donc, pour le premier paquet que je vais retourner, nous avons donc pour le travail, le joker, le donjon et la paresse. Donc, pour le premier paquet, donjon, paresse, on peut dire que peut-être au niveau du travail, il y a quelque chose qui ne te convient pas trop. Donjon, tu as l'impression d'être enfermé, tu as l'impression d'être bloqué. Avec la paresse, tu as l'impression de ne pas évoluer, de ne pas être dans ce qui te correspond, en fait. Et là, avec la carte joker, on peut dire que tu as comme si tu avais un sauveur, quelque chose qui arrive pour te sortir de cette situation. Peut-être que tu vas avoir une autre proposition de travail, quelque chose comme ça. Ça peut représenter ça, ou bien une évolution dans le poste où tu es actuellement. Peut-être qu'on va te changer de place et te mettre dans quelque chose d'autre, quelque chose qui ira plus avec toi. Mais là, pour l'instant, tu te sens un petit peu, avec ces cartes-là, bloqué. Hein. C'est pas terrible. Hein. Donc, je paraisse, tu vas même au travail à reculons. Hein. C'est pas terrible, quoi. C'est pas bon pour toi. Donc, voilà pour le bélier. Ensuite, nous avons toujours pour le bélier la maison, donc des nouvelles. Pour de l'argent, des finances et la reine. Donc il pourrait y avoir des nouvelles venant pour toi si tu es une dame, donc des nouvelles pour toi, des nouvelles de l'argent qui va rentrer avec les nouvelles et les finances, ça va rentrer. C'est pas quelque chose qui sort, c'est quelque chose là qui arrive. Donc ou c'est pour toi si tu es une femme, ou venant d'une femme, tu vas recevoir éventuellement de l'argent, une somme d'argent, quelque chose qui vient à toi. Donc en tous les cas, il y a de l'argent qui rentre là dans la maison. Voilà pour la maison. Au niveau des sentiments, nous avons les commérages, nous avons la montgolfière et les festivités. Donc là, ça pourrait être, pour les gens qui sont en couple, mariés, là, il pourrait y avoir une invitation à un mariage pour vous, là, un de vos enfants, ou quelque chose comme ça, là, puisque ça concerne les couples. Ici, commérage, il pourrait y avoir des changements là, avec les commérages. On parle sur vous, on discute sur vous par rapport à un changement avec la montgolfière. Et les festivités, on fait quand même la fête, hein, on s'en fiche un petit peu de ce qui se passe. Ça peut être aussi le lancement d'invitations hein, pour une union. Il y en a qui vont se marier avec les festivités. On se marie, on s'envole, on prend son envol, on quitte la maison, on se met en ménage. Donc il y a vraiment quelque chose, pour ceux qui cherchent quelqu'un, là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, en tous les cas, avec la montgolfière et les commérages, hein, c'est sûr. Les commérages, ça peut être aussi une rencontre sur Internet. Là, voilà. Et pour ceux qui sont en couple, il n'y a pas de souci. Hein, donc festivité, on est bien, on est heureux, tout va bien. Un couple qui discute beaucoup, la montgolfière, on a des projets, on a envie d'avancer, on a envie d'un peu d'aventure, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très positif, là. Donc, que ce soit pour les gens qui sont en couple ou les gens qui recherchent quelqu'un. De toute façon, c'est bon. Donc, et pour la surprise, nous avons quoi ? La guillotine. Donc la guillotine, les béliers, il y a quelque chose que vous allez couper. Hein, peut-être trancher une discussion, ça peut être rompre avec quelqu'un, arrêter quelque chose, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une petite intervention chirurgicale, mais il y a quelque chose qui va être coupé, tranché. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et vous abonner à ma page. Je vous remercie, à plus tard, bye bye.